What's up les boys, c'est Red Jacken, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau sujet, un tout nouveau gameplay sur Black Ops 2. Donc je sais que mes gameplays seront beaucoup critiqués en ce moment, surtout quand je les partage dans les groupes Facebook, mais ça après encore ça passe parce que je sais que sur ces groupes là, il y a souvent la majorité des personnes, c'est des rageux, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais attaquer tout de suite le sujet, donc qui a pu être assez choquant, assez direct quand vous avez vu le titre et la miniature. Donc je me suis fait enculer par un mec. Donc là je vais parler dans cette vidéo pour les filles qui en fait choisissent pas forcément bien leurs petits copains et qui par la suite viennent se plaindre sur Facebook et sur Twitter. Et ça, ça peut m'énerver, mais à un point je pense que ça énerve beaucoup de personnes qui se trouvent derrière ce PC, filles ou garçons d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des garçons qui vont se plaindre de ces filles-là, et aussi des filles qui vont dire que bah t'avais qu'à choisir la bonne personne plutôt que prendre celui qui est le plus beau, celui qui est le plus grand, celui qui est le plus musclé et celui qui a le plus d'argent. Donc là après c'est des filles qui se respectent pas forcément, qui préfèrent plutôt que de prendre quelqu'un de bien, quelqu'un de normal, quelqu'un qui va pas se prendre la tête, quelqu'un qui va être gentil et qui va être une bonne personne, préfèrent prendre un beau gosse plutôt comme ça. Voilà, au final au bout de 2-3 mois bah le beau gosse il va voir une autre et la fille elle commence à pleurer, elle pleure dans son lit, elle appelle ses amis, tout ça, enfin ce genre de personnes, je pense que ça énerve beaucoup beaucoup de personnes. Alors franchement c'est juste, cette vidéo c'est pour vous dire que quand vous êtes jeune, bah moi je suis jeune, voilà, donc je parle en mon nom en quelque sorte, mais aussi je parle également dans votre intérêt, dans votre future vie ou même votre vie actuelle, parce que je sais qu'il y a des très jeunes qui me regardent mais aussi des personnes qui sont à peu près mon âge. Franchement faut choisir les bonnes personnes si vous voulez avoir votre première copine, votre premier copain, enfin voilà, faut pas choisir n'importe quoi, faut pas choisir juste parce qu'il est le plus beau ou qu'elle est la plus belle, parce que vous savez pas qui c'est derrière, vous savez pas la personne que ça peut être, elle peut vous entuber comme il peut vous entuber, et ça après c'est dur à vivre pour certaines personnes, j'ai déjà vu, et vous avez vu dans certaines de mes vidéos, il y a un petit moment quand même, des personnes qui se sont suicidées à cause d'une fille qui les avait quittées avec leur meilleur ami, tout ça, et à cause d'un garçon aussi qui avait quitté sa copine le jour du bac, qui s'était moqué d'elle et tout, qui avait dit qu'en fait c'était juste un pari, ensuite la fille s'est suicidée derrière. Donc il faut vraiment bien choisir ses premiers copains, ses premières copines. Moi personnellement j'ai pas très bien choisi, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, parce que ça s'est passé avec la personne avec laquelle j'étais il y a pas si longtemps que ça, et donc j'ai décidé de vous en parler pour vous dire de pas répéter les mêmes erreurs que moi j'aurais pu faire ou que vous vous aurez pu faire à un moment donné. Maintenant il faut être un peu plus posé, parce que je sais pas, peut-être à 16-17 ans vous vous en foutez un petit peu, mais quand vous aurez 18-19-20-30 à l'extrême et que vous direz bah au final j'ai eu plein de copains, plein de copines, mais maintenant je suis toute seule alors que tous mes potes eux, ils se sont mariés parce qu'ils ont bien choisi la personne avec laquelle ils étaient, et toutes mes copines c'est pareil, ils se sont mariés avec quelqu'un de bien qui les respecte et qui préfère rester fidèle plutôt que d'aller voir ailleurs. J'appelle ça butiner un petit peu de tous les côtés, et ça c'est ce qu'ils font en général les jeunes, donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir au bon moment et pas se précipiter sur le plus beau ou la plus belle, parce que vous savez pas, comme je le répète, quelle est la personne derrière, quels sont ses sentiments, quelle façon elle voit votre relation. Et ça peut créer des ruptures, voire même beaucoup plus loin si le cas y est extrême, comme j'ai pu vous le raconter dans certaines de mes vidéos précédemment. Donc vraiment cette vidéo c'était juste pour vous parler de ça, essayer de vous donner un avis sur ça, essayer de vous prévenir de pas faire n'importe quoi, parce que je sais que ça va être l'été, que vous allez sortir, et franchement choisissez bien les personnes avec lesquelles vous voulez être, avec lesquelles pourquoi pas vous voulez sortir ou vous amuser tout simplement, même s'il n'y a pas anguille sous roche ou qu'il n'y a pas forcément d'autres ambiguïtés ou d'autres choses que vous voyez par rapport à cette personne. Je pense que les petits malins auront compris ce que je voudrais dire dans cette vidéo. Donc aujourd'hui n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, je compte vraiment sur vous pour me booster et continuer vraiment comme vous êtes géniaux en ce moment, vous êtes les meilleurs, franchement j'ai rien à vous dire, vous êtes parfaits au niveau des likes, des partages, des commentaires, et ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer là-dessus, et moi sur ce je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao tout le monde.